une appréhension quand même au début. Finalement, on se lance et on arrive à sortir des petites phrases, des petits mots. Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas parler et bon, bah tant pis, il faut respecter ça. Mais sur le nombre de personnes qui veulent pas parler, il y en a peut-être une qui va avoir besoin de parler et qui sera contente d'avoir quelqu'un, un interlocuteur à parler de quelque chose qui est peut-être un peu tabou aujourd'hui, la spiritualité, on en parle pas trop entre amis. Il faut prendre conscience qu'on a vraiment un message, enfin la vérité à transmettre, on la possède pas mais on sait que c'est qu'elle est en Jésus-Christ. C'est ce besoin d'annoncer la vérité au monde qui ne connaît pas Dieu. Inconsciemment, on fait peut-être du bien aux personnes qu'on rencontre. On a besoin parfois de se déranger un peu parce que c'est pas facile, mais de se rendre disponible à l'annonce de la parole. C'est vrai que c'est pas facile, enfin, c'est un pas à franchir, mais il y a une grande joie quand on se lance et quand on annonce finalement. Envie de se surpasser, de se dire bah, j'en suis capable, j'ai peur, mais j'y vais. Au final, c'est Jésus qui l'a dit allez évangéliser les nations, annoncer l'évangile aux nations. Mais c'est ça. On prie et on y va.